que vous en voulez encore. On a parlé plus fort. Allez, tout le monde se donne la main, ça continue. Et alors une autre question par rapport à la mairie de Paris, vous êtes toujours candidat aussi? Ah oui, la mairie de Paris, c'est un autre domaine. Moi, je suis parisien, maintenant 70 ans, 80. Je suis né à Paris et j'ai fait toute mon existence à Paris. Et j'ai été là près de 50 ans au président de Paris. J'ai exercé une éducation à Paris, de l'entreprise. Je suis parisien. Quand je vois le corbeau, Paris n'a jamais été aussi sale. Paris n'a jamais été autant dans la sécurité. Et pareil, on a affaire à des gens qui connaissent tout, qui font des grands projets. C'est une belle bande de voir rien, la droite comme la gauche. Donc j'ai décidé de me présenter comme candidat. Par contre, je demanderai aux Parisiens de s'inscrire et de voter. Parce que j'entends beaucoup de Parisiens râler, gueuler, seulement ils ne votent pas. Vous vous rendez compte que sur 2 millions de Parisiens, il n'y en a que 500 000 qui votent. C'est extraordinaire. Donc je demande aux Parisiens d'aller voter. Moi, je me porterai comme candidat, c'est sûr, et j'irai jusqu'au bout. Malgré tous les emmerdes qu'on essaie de me faire en ce moment, j'en ai rien à foutre. De toute façon, j'y vais. Je me propose comme candidat, j'ai des candidats pour tous les arrondissements. Et on va essayer de déployer Paris de toute cette crise malfaisante qui rend Paris indésirable. Vous vous rendez compte, c'était la plus belle ville du monde, c'est encore la plus belle ville du monde. Mais ma ville, c'était une ville enchantée, et maintenant, c'est une ville en chantier. Il y a 6300 chantiers dans Paris. Je ne vais pas dire que ces gens-là sont normaux. Une belle bande d'abrutis, d'incapables, de bon à rien, il va falloir qu'on vous vienne. Tout simplement. Et moi, je demande aux Parisiens de me présenter pour un mandat, un seul mandat, mais à titre bénévole. Moi, je ne peux pas être payé, j'ai fait ma vie, et je fais mes affaires dans une bonne vie. Par exemple, on nettoie tous cette pluie d'un autre côté. Une dernière question par rapport aux Européennes ce week-end, les Gilets jaunes ont une candidature. Est-ce que les Gilets jaunes ont un rôle à jouer par rapport à l'Europe? Ah, je pense qu'avec toute la mécanique médiatique qui peut se passer, quand on voit que tous les journaux appartiennent à la finance, que la plupart des télés appartiennent à la finance, je pense que la flotte permanente va permettre aux gens de ne pas dire vraiment ce qu'ils pensent. Et les Gilets jaunes, à mon avis, vont être handicapés dans cette histoire, parce que vous savez, il faut passer des messages, il faut avoir beaucoup d'argent, la preuve. Eux, ils en ont beaucoup, puisque ce sont les gens riches qui commandent. Et je pense que les messages petit à petit vont passer et peut-être que la liberté va revenir. Pour l'instant, ce n'est pas le cas. Ici, juste en un mot, résumez-moi les Gilets jaunes. En un mot, c'est les gens du peuple. Et moi, on fait partie des gens du peuple. Et moi, ces gens-là, vous rendez compte. Les gens du peuple, c'est des gens qui Et eux, comme c'est les intelligents, ils me mettent dans la classe. Et ces intelligents, il faudra qu'ils arrêtent de commander et de commencer à travailler un petit peu. Parce que eux, c'est les grands intelligents, ils font les écoles et ils apprennent surtout à manœuvrer les autres. Ils arrêtent la manœuvre et ils laissent les intelligents. Je vous remercie, monsieur Campion. Monsieur Quinte. Merci beaucoup. Angèle, là, vous prenez un peu ton ami. Merci. Depuis le temps.